Voilà, bonsoir les amis. Installez-vous, vous êtes les bienvenus sur la chaîne de l'entorpillée. Alors ce soir, on a prévu, enfin, j'ai prévu de faire des petits jeux musicaux. Voilà, donc vous pouvez, si vous avez envie, bonsoir, bonsoir Triboulet. Si vous avez envie de prendre aussi, parce que tout à l'heure on fera peut-être des petites choses, de prendre... du papier et puis un crayon et des ciseaux, voilà, juste si vous avez envie, c'est pas une obligation du tout, mais donc les petits jeux musicaux, ben oui, en fait les jeux que vous allez faire ce soir, ce sont des jeux qui viennent de l'enseignement Marteneau, donc j'ai enseigné, j'ai appris déjà dans l'école, à l'école Marteneau, le solfège, et ensuite j'ai enseigné pendant 10 ans. Donc ben voilà, le matériel que vous allez voir ce soir, il est issu de toute cette pédagogie. On peut présenter peut-être un tout petit peu rapidement Marteneau, donc les années 20, enfin il est né en 1900 je crois, et il est mort en 1980, donc voilà, dans le siècle. Dans les années 20, avec sa sœur, ils ont commencé à faire des recherches sur la pédagogie musicale. Lui, il était déjà, il était pianiste et violoncelliste surtout. Et pendant la guerre, il avait travaillé à la radio. Donc, et il avait eu l'idée des ondes Marteneau. Donc, qui sont un principe de deux ondes qui font un battement et qui créent un son. Donc, les instruments, les ondes Marteneau, c'est vraiment de très très beaux instruments. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un stage près de Paris là, et d'apprendre, enfin d'apprendre, de faire quelques une petite initiation, et c'est vraiment un instrument extraordinaire parce qu'il y a plein de systèmes. Alors au début c'était très très impressionnant parce qu'il était debout comme ça avec sa sœur, et puis il jouait à distance comme ça parce qu'il y a une bague avec un fil qui joue sur un ruban et qui fait des glissandi comme ça. Et donc on dit, bon, jusqu'au 16e de ton, on dit que d'ailleurs les élèves Marteneau savaient reconnaître à l'oreille jusqu'à un 16e de ton. Ah, le... Ah, je suis trop éloignée de mon micro. Le volume est un peu bas ou tu es trop éloignée de mon... Bon, alors, volume un peu bas, je peux peut-être arranger ça. Triboulet, je vais voir si... micro, caméra, micro... lequel? Ça doit être celui-là. Je regarde. Propriété. Est-ce que je peux le pousser? Alors, je suis nulle. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux parler plus fort. Ça va être le plus simple pour moi parce que... Afficher, disposition. Propriété. Utiliser l'eurodatage, non pas du tout. Microphone. Oh là là, bon. J'ai peur de faire une bêtise, donc qu'est-ce que je peux faire? Si vous m'entendez pas, c'est quand même un problème. Attendez, j'ai peut-être le retour. 1, 2, 1, 2. Bon, tu me diras si ça va mieux, je vais pousser la voix. Je peux me rapprocher aussi. Voilà, je suis prête. Donc, je disais, oui, Marteneau. Donc, Marteneau... D'accord, on m'entend. Ce qui s'est passé, c'est qu'il était violoncelliste. Et c'est sa sœur, il y avait Ginette et Madeleine. Je crois que donc c'est Madeleine qui a pris en main, je crois que c'est Madeleine, sa sœur aînée, qui a pris en main son éducation musicale. Et je crois, alors est-ce que c'est la petite histoire, j'en sais rien, je crois qu'elle avait souffert de l'enseignement du solfège un petit peu rigoriste, une noire ou deux blanches, enfin des trucs un peu théoriques, pas tellement ancrés dans ce qu'on peut appréhender de façon, on va dire, intuitive. Et du coup, elle a commencé à... elle a rencontré Montessori, donc Montessori c'était plutôt 1910 à peu près, les écoles Montessori, donc ils se sont appuyés là-dessus, ils ont inventé des jeux, ils sont partis des principes Montessori,
Donc dans les années 20, ils ont commencé à... Mais je crois que les premières écoles, par contre, c'était les années 50. Et il y a eu un gros boom dans les années 70. Bon, c'était très à la mode, c'est des nouvelles pédagogies comme ça. Donc du coup, les écoles Martenot sont nées comme ça, l'enseignement Martenot. Alors, il y a un bouquin, par exemple, voilà, écrit par Maurice Martenot. Pratiques fondamentaux de formation musicale et leur application. Je vous en déconseille complètement la lecture. C'est vraiment pour les professeurs, c'est assez ésotérique. Il y a beaucoup de choses sur le corps. Pour vous dire, l'esprit avant la lettre, le cœur avant l'intellect, ça dit beaucoup de choses déjà. C'est très, c'est pas fait pour les, c'est pas fait pour quelqu'un d'autre que quelqu'un qui veut faire l'enseignement Martenot. Ça dit à quel point l'enseignement de la musique va faire épanouir. Salut, salut, bienvenue. Tu es modo d'ailleurs, hein? Donc, si jamais tu vois des choses. Donc, je parle là, mais c'est parce que mon écran de contrôle est là, vous inquiétez pas. Donc, je vous parle là ou là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, les principes, donc, c'est d'abord les principes un petit peu de Montessori. Donc, Montessori, je connais très mal, hein, mais ce qu'on nous disait, c'est que, par exemple, dans le principe de la lecture, on oubliait toujours une étape très importante. Par exemple, si on veut faire écrire le mot maman à un enfant, la première étape, avant de lui faire lire et écrire, avant toute chose, c'est lui faire... C'est bien, sois très sévère. c'est de lui faire reconnaître le mot. Elle disait qu'il manquait toujours la reconnaissance dans toutes les pédagogies, dans tous les enseignements. On sautait toujours parce qu'on n'y pensait pas. L'étape de la discrimination et de la reconnaissance. Par exemple, et on emploie ça, Bettelheim disait des choses comme ça aussi. Pour les enfants qui avaient des problèmes psychiques de phobie ou qui par exemple avaient très peur des lions, du feu ou qui avaient vécu des traumatismes autour du feu, de leur faire reconnaître dans un... par exemple des enfants qui avaient développé par exemple des problèmes à la lecture, qui ne savaient pas lire parce qu'ils avaient vécu des traumatismes, de leur faire reconnaître des mots dans un panel de mots, par exemple le mot feu. Et de le faire qualifier ce mot, est-ce qu'il est froid, est-ce qu'il est chaud, et pour apprivoiser les mots, donc les reconnaître déjà, avant toute chose, avant de savoir lire, avant toute chose, première base, reconnaissance. Donc ça, c'est un truc de Montessori, et que les Martenots ont mis en exercice comme ça. Et c'est vrai que quand on est à l'école Martenot, quand on veut faire découvrir les instruments par exemple aux enfants, on leur dit, ah ben il y a la grande flûte et la petite flûte. Et après, bon, quelle est la grande, quelle est la petite, qu'est-ce qui est grand et petit, qu'est-ce qui est aigu, grave, qu'est-ce qui est fort, pas fort. Comme ça, tous les paramètres. Alors le volume est trop bas, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Est-ce que quelqu'un peut dire, puisque Laurent demande si le volume est toujours trop bas. Est-ce que vous m'entendez bien là? Je me suis un peu rapprochée, parce que quand j'ai voulu toucher, je voyais des trucs, je me suis dit, je vais faire une bêtise, parce que ça, je sais, je suis une spécialiste des bêtises informatiques. Donc, si jamais vous ne m'entendez pas, dites-le à Laurent. Un peu, oui, j'ai mon son presque à fond. Ah d'accord. Donc, il y a quand même, je ne sais pas si le micro lui-même se règle. C'est embêtant ça. C'est très embêtant. Je crois que Laurent va arriver à la rescousse. Je viens de voir la lumière s'allumer. Voilà, mon technicien personnel va arriver. Coucou. Désolé, désolé, désolé. Ok, on va Alors. arranger ça. On va mettre un tout petit peu de gain. Donc là, normalement, je peux foutre un petit peu de Donc filtre, tu vois. j'ai essayé, mais j'ai vu des trucs trop bizarres pour Tu moi. rajoutes un filtre là-dessus. Normalement, ça devrait pas. C'est juste un peu de gain. Vous allez me dire si le son est meilleur, si vous l'entendez mieux, d'accord? Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que ça va mieux? Salut Lucie, salut Triboulet, Salut tout salut les le gens. monde. Parle ma puce, s'il te Oui, plaît. je parle, excusez-moi, oui. Donc, je parlais de cette idée de reconnaissance. Avant de savoir écrire le mot maman, on C'est mieux. essaye de voir. On essaye de voir si dans un panel de mots, l'enfant va reconnaître déjà le mot maman. Est-ce qu'il le discrimine parmi un ensemble? Donc ça,
Ça vient de Montessori, cette histoire. Il y a aussi l'idée de partir du vécu de l'enfant ou de choses déjà connues, ne jamais mettre quelqu'un en difficulté. Il y a vraiment cette idée très forte chez Martenot de toujours embarquer les gens dans une pente très douce, de toujours arrêter les exercices quand les gens ont réussi et pas sur un échec. C'est-à-dire, si on a réussi une première fois, on s'arrête. Souvent dans l'enseignement, on demande de refaire et c'est là qu'on échoue. Et rester sur l'idée d'un échec, c'est pas très bon. C'est pas le loup, non, c'est le boost. Les principes Montessori, donc il y a ça, il y a la reconnaissance, il y a l'imprégnation, donc le baigner dans un bain. Que par imprégnation on se familiarise donc il y avait la lecture et donc reconnaissance, la lecture et ensuite le codage, donc l'écriture et ça c'était des trois principes et ils ont rajouté les Martenot le principe d'improvisation que pour enseigner la musique et plus tard, je crois que c'est avec Ginette, il y a eu une école de plus sur l'art, dessin. Ouais. Pour les ondes Martenot, j'avais un petit film, donc si ça vous dit, on peut lancer le petit film sur les ondes Martenot. Et donc oui, ce sont des. Le principe est très malin. C'est un instrument qui ressemble à une petite épinette. Il est grand comme ça. Et vous le verrez dans le petit document. Comme pour un orgue, il y a des timbres, donc on peut sélectionner, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, s'il y a clarinette et tout, mais il y a vraiment des, on peut tirer des touches comme ça pour avoir plusieurs timbres différents. Au départ, il n'y avait pas de clavier réel, mais pour aider, ils avaient peint des touches carrément sur du bois. Et il n'y avait que le ruban. Et comme je vous dis, c'était très impressionnant. Les gens jouaient de loin, comme ça faisait ouh, comme des voix humaines, comme ça. Donc c'est un instrument qui ne fait qu'une note à la fois. Il n'y a pas du tout, comme avec le piano, la possibilité de jouer des notes à la main droite et des notes à la main gauche, un accompagnement complet. Donc si on veut avoir quelque chose d'assez fourni, il faut plusieurs instruments. Messiaen a écrit pour Ondes Martenot des choses, mais il y a aussi, c'est très connu, Jacques Brel dans La Fadette, la voix qu'on entend à la fin, beaucoup de gens s'en sont servis par rapport au Thérémine, je ne sais pas si c'est avant ou après, donc je crois que je ne peux pas être chiant, mais le son, il y a un truc étrange, un truc parasite, un son parasite. On va pas y arriver. Cela dit, il vaut mieux que vous m'entendiez parce que si ça commence et que vous m'entendez pas. Alors, qu'est-ce qui peut être parasite? Non, mais. Mon pauvre Laurent. Son parasite. Allez. Après, moi, j'ai quatre. Non, après, après, tu reviens pas. Hein. On est d'accord. Mettre au point les trucs musicaux pour notre concert. Oui, sinon, vous n'aurez pas votre concert en live. C'est ça. Ouais. Si jamais vous dérangez trop Laurent. Oui, je suis en train de mettre au point. Donc, le gain, on garde. Et c'est peut-être la suppression de la noise réduction qui pose le problème du gain. Donc, vous allez voir. Là, normalement, on en parle. Je parle. Vas-y. Je n'arrête pas de parler car je suis une grande bavarde et je vous parle de Martenot, je vous parle des ondes Martenot. Je vous dis plein de choses sur les ondes Martenot et on va regarder même un petit documentaire minuscule. Il y en a des très grands de 1h30, mais là, je vous ai trouvé deux petits bouts. Et non, on veut le concert, mais oui, tu as bien raison. Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Dis-nous, Triboulet, ouais, c'est toi qui as. Est-ce que tu as toujours le son par problème? Dis-nous, est-ce que ça vient pas de chez toi, par hasard? Triboulet. On est suspendu à ton jugement, Triboulet. On est suspendu. Dis-nous, est-ce que tu entends toujours un son? Tu l'entends aussi et plus fort. Ah, et plus fort, d'accord, ok. Bon. Alors on est embêté. Alors là, il y a un problème. En plus, si on fait de la musique, c'est nouille. Hein. Alors... D'accord. Donc là, je sais pas trop quoi faire. Est-ce qu'il n'y a pas le son de la caméra qui est resté branché, une connerie? Non. Non. Moi, j'ai touché à rien. Hein. J'ai pas osé.
Ouais, normalement c'est bon. Il n'y a pas d'entrée des auxiliaires. L'audio du bureau, tout est coupé en fait, à part le micro qui est là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, je peux rien faire, on est dans la même disposition technique que l'autre C'est hyper fois. gênant, c'est mieux. Là, c'est bon, c'est mieux. Ok. Ok, on reste comme ça Mais vous du va? coup, ce sera pas très fort. Alors. Si c'est trop pénible, vous me dites si vous voulez que je parle plus fort. Ah, je Et peux essayer un truc pas mal. Je vais si c'est chercher trop un truc, pénible, vous on allez dire. arrête. On va voir si on peut coller si je peux dupliquer le truc. Que ça marche ou pas. Non, non, on n'arrête pas. Bah oui, mais Non, si on veut faire de la musique et entendre les sons, c'est chiant qu'il y ait un truc parasite. Vous n'allez pas pouvoir travailler bien votre oreille. Hein. on arrête. Bah, bon, ça sert à rien, je vais laisser comme ça. On laisse, allez, hop. Allez, je suis désolé. On continue comme ça et s'il y a trop de problèmes, ben Moi, on... je vais trouver des solutions pour le concert. Normalement, ça marche Oui, très bien. bien. Ils sont plutôt bons. Alors j'en étais où du coup avec tout ça? Je disais, donc le timbre. Oui, donc au début, il n'y avait pas le clavier. Et le clavier qu'ils ont fait, c'est un clavier mobile. Et donc, quand on pose le doigt sur la touche, en fait, ça bouge et on peut faire un vibrato. Ça vaut ce que ça vaut, mais bon, il existe aussi une espèce de harpe qu'on pose. Alors ça, c'est très rare, mais il y en a, j'en ai vu. Sur certaines ondes Martineau, on a d'autres cordes qui se mettent à vibrer, donc en harmonie avec les sons qu'on joue. Et puis, par contre, ce qui est dommage, c'est que là, moi, j'avais rencontré le petit-fils de Maurice Martineau, et il avait une onde Martineau dans sa cave, et personne ne savait la réparer. Bon, ça marche avec des lampes, hein. Bah, elle n'était plus jouée, et il y en a très peu d'instruments. Dans mon souvenir, je crois qu'il y en a une onde à Fleury Mérogis, c'est ça, la prison. Et je crois qu'il y en a une autre ben là, dans l'école Martenot qui est autour de Paris. Et je crois qu'il n'y en a pas tant que ça en France, en fait, à disposition. Donc, peu d'élèves, bon, je pense pas beaucoup d'enseignants. Et donc, ben, on va regarder le petit. Ces deux petits documentaires, je vous mets ça si je vois. Alors, si on dit voilà. Je lance. Nasi. Do vás Francouzska predviedla v Prahe elektrický klavír, ktorého vynálezcom je jej brat. Tento nástroj má miesto strún malé elektronky. Má 7 oktáv a 70 zvukových odtieňov. Sur le côté et pour changer les timbres. Z klavíra možno vyludiť všelijaké zvuky. Voilà l'autre petit documentaire. Là, on voit bien le ruban avec la bague. Donc maintenant, on fait plus ça à distance. Et on entend bien qu'on peut jouer qu'une note à la fois. Thibon nous fait entendre l'une des sonorités de cet instrument, très divers, que sont les ondes Martenot. Oui, je vous fais entendre le ruban, puisque le Martenot comporte deux formes de jeu, le clavier et le ruban. Le ruban possède toutes les qualités de la voix humaine et il permet les quarts, les huitièmes et même les seizièmes de ton. Vous voyez, si je fais un son. C'est un instrument très souple. Et le clavier? Très souple et très sensible. Le clavier, lui, est de caractère tout à fait instrumental.
permet, comme le ruban d'ailleurs, un vibrato. Et jusqu'à présent, cet instrument était joué seul. Il était joué seul ou accompagné par des instruments ou par l'orchestre. C'est la première fois qu'il existe un trio constitué, dont de Marteneau. Oui. Je crois qu'il faut dire que d'abord c'est un instrument monodique, parce que sitôt qu'on voit un clavier, on pense que c'est un instrument polyphonique, or il ne fait qu'une note à la fois. Oui. Donc c'est pourquoi l'apport est très grand. Enfin, avec trois instruments, vous enrichissez énormément. Justement, on a pensé qu'il était utile de l'insérer dans un groupe, enfin de réaliser un groupe, et c'est ce que Arlette Cibon a fait en créant ce trio, qui n'attend qu'une littérature. Oui, parce qu'il n'y a pas eu encore de composition faite pour trois instruments. Peu, je crois. Il y a celle de Patrice Chortineau, donc, que nous jouons demain soir à la salle Chopin-Pleyel. Il y a une autre œuvre de Pierre Barbeau. Et puis, nous en attendons d'autres, évidemment. Par contre, il y a eu beaucoup de compositions pour les ondes Marteneau en tant qu'instrument seul, dans la musique contemporaine. En tant qu'instrument seul ou accompagné, avec d'autres instruments ou avec l'orchestre. Oui, il y a énormément, la plupart des compositeurs ont écrit pour les ondes Marteneau. Et ce trio va se produire pour la première fois à quel endroit? Demain soir, à la salle Chopin-Pleyel. Alors, avec Michel Gulli et Gaston de Ritter, et à la percussion, Jean-Claude Tavernier de l'Orchestre National. Nous pouvons entendre un extrait de cette composition? Oui, nous allons vous jouer un extrait de l'œuvre de Patrice Chortineau. Là, je vous ai laissé un petit peu, mais on va pas écouter tout le concert, même si c'est super, sûrement très chouette. Donc c'est un instrument qui est plus beaucoup joué. Hein, je pense que ah oui, un problème avec mon micro. Je vois même visuellement qu'il y a un problème avec mon micro. Marrant. Ah oui, c'est le micro de la caméra. Pourquoi le micro de la caméra marche? Et le micro auxiliaire aussi? D'accord. Mais ils sont coupés quand même, d'accord. Donc oui, c'est fascinant. Mais c'est vraiment... Après, il y a eu... à partir du moment où le synthé est né, et même, je crois, le thérémine, en fait, ça a disparu. C'est un instrument qui était un entre-deux, je pense, et... À ma connaissance, plus personne ne va composer pour aujourd'hui, ne va composer pour une Marteneau. D'abord parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent en jouer. Enfin, il y a tout qui concourt au fait que cet instrument soit complètement oublié, à part au point de vue historique. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'en fait, Marteneau, Maurice, c'est quelqu'un d'important quand même pour la musique. La pédagogie, c'est aussi une chose très importante. Donc il a mis au point avec ses deux sœurs, notamment donc sa sœur aînée, qui avait commencé à lui enseigner, elle cherchait des jeux pour lui enseigner au mieux le solfège quand il était jeune. Et ensuite, leur petite sœur les a rejoints, et ils ont tous les trois travaillé à cette méthode et à ces jeux qu'on va voir ce soir. Et dans les années, dès 1912, hein, ça a commencé, je crois que Madeleine a commencé à donner des cours de piano en 1912, et voilà. Juste pour la petite histoire, pendant la guerre, ils ont hébergé dans leur école des enfants juifs et ils les ont d'une certaine façon protégés en les mêlant à leurs élèves. Donc des enfants juifs qui plus tard ont su distinguer des 16e de ton et en plus qui étaient vivants. Donc ça c'est cool. Donc oui, c'est des gens bien, c'est des gens intéressants. Je précise parce que je ne sais pas quelle est la vision qu'on en a aujourd'hui, mais vraiment, moi, je ne l'ai plus, c'est dommage, mais j'avais une biographie qui était super bien sur Marteneau, et vraiment, c'est vraiment très intéressant, même de s'intéresser à eux de près.
Donc ça c'était pour les ondes Martenot. Donc pour la pédagogie, ils ont donc il y avait ces principes de faire vivre dans le corps. Alors on est dans les années 20, donc il y a ça, hein, c'est une année, des années où on court nu dans les champs, on se réapproprie son corps. Il y a toute une idée, et c'est vrai que la notion de corps, elle est hyper présente, ce qui nous paraît peut-être plus bizarre aujourd'hui, mais ce qui a fait aussi le succès dans les années 70, c'est-à-dire vraiment cette idée de ressentir, tout ça. Et vous verrez, c'est encore présent. Moi, je ne vais pas insister dessus, mais par exemple, quand on construit un cours Martenot, il y a 10 minutes de relaxation, que moi je trouve pas inutile parce que, comme je le dis souvent, ça permet de faire une espèce de sas par rapport à ce qui s'est passé avant dans la journée, même pour les enfants ou pour les adultes, parce que ça nous met en condition. Mobiliser son corps, en effet, le mettre en mouvement, c'est vrai que ça détend, ça permet de mieux apprendre quand on est détendu. Enfin, il y a plein d'avantages. Mais si on écoute l'enseignement strict Martenot, on se dit, oh là là, où je suis tombée, hein. C'est le vocabulaire ne correspond pas du tout. Faut vraiment, on se dit, mais qu'on n'est peut-être pas dans un endroit. Parce que en fait, il continue à utiliser le vocabulaire, ce vocabulaire de l'époque qui correspond plus du tout. Alors qu'il y a des choses qui marchent très très bien. Donc il ne faut pas se fier aux apparences pour ce qui est de la méthode Martenot. C'est pour ça que je vous déconseille la lecture de ce livre pour les professeurs. C'est vraiment Mais non, ça va pas. Il y a trop de considérations spirituelles où ça va pas. Par contre, la méthode, moi je l'ai expérimentée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous l'ai raconté un peu l'autre fois. C'est que quand j'ai commencé la musique, donc j'avais 30 ans, je n'avais aucune notion de solfège. Hein, c'était vraiment plus que lamentable, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode. Je partais de très 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 loin et j'ai voulu prendre des cours de solfège parce que je galérais avec la harpe, je galérais quand même. J'ai voulu prendre des cours et c'était pas possible. Parce que après 28 ans, au conservatoire de Rennes, en tout cas, on n'accepte plus les adultes débutants en solfège. Ce qui est horrible, hein, ce qui est vraiment. Moi qui suis pour la. Enfin, dans la vie, on a le droit d'apprendre à tout âge et on a le droit de faire de la formation continue dans tous les domaines, il n'y a pas de raison. Et donc, le seul endroit où je pouvais apprendre le solfège, eh ben, c'était à l'école Martenot. Et donc, ben oui, je me suis retrouvée avec des petits de 7 et 8 ans. Et au bout de un an, je crois, j'ai commencé à. Je trouve ça tellement formidable, j'ai fait tellement de progrès que j'ai commencé la formation quasiment tout de suite. Et j'ai enseigné. Une année, je prenais des cours et 3 ans après, ou 2 ans après, je commençais déjà à enseigner aux enfants et aux adultes débutants. C'était ma spécialité. Parce que comme j'avais eu la chance de commencer adulte, de zéro, bah, j'étais bien formée d'une certaine façon pour enseigner aux adultes, connaître leurs difficultés. Et puis, ça me plaisait aussi de permettre à des adultes de commencer un instrument et de se former en solfège. Donc, ce soir, c'est un peu ça qu'on va faire. Ce soir, je vais vous faire quelques démonstrations aussi de ce qu'on peut faire avec des tout petits, ça ce sera marrant. Et puis après, on va faire quelques jeux. Et ce soir, je pensais faire que des jeux d'audition, donc que sur le son, on travaille que sur le son. Donc dans le son, il y a plusieurs paramètres, hein, donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Il y a la hauteur, donc est-ce que c'est grave ou aigu? Il y a le volume, ça tout le monde connaît, hein, est-ce que c'est fort ou pas fort? D'ailleurs là, on en a parlé. Il y a le timbre. Donc ça c'est la texture du son, l'ondulation, la granulation. C'est sûr que le timbre d'une harpe, c'est pas le timbre d'un piano, c'est pas le timbre d'une clarinette. Pour une même note, on va pas entendre la même chose. Et je crois que c'est tout de souvenir comme ça. Donc c'est vrai qu'on travaille en général par trimestre, on travaille avec les enfants, on travaille une des propriétés du son. Par exemple, pendant un trimestre, on va travailler, alors les enfants vont faire travailler un groupe, ils vont faire le chef d'orchestre, ça c'est le volume, ils vont faire travailler ensuite dans ce sens-là, à la hauteur, et puis après on travaillera le timbre. Donc c'est très saisonnier aussi, c'est aussi là où ça ressemble à plein de.
à plein d'écoles alternatives, c'est que à chaque saison, on va faire des chansons sur la saison. Voilà. Il y a du chant libre aussi, donc on chante, on se laisse aller à chanter. Donc, en effet, je vais montrer un petit peu le matériel peut-être avant de commencer. Je pense que c'est intéressant que vous voyez un peu avec quoi ça travaille. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a des petits instruments, des petites choses qui existent. Par exemple, ça, là, c'est un téléphone qui est relié à rien. Et en fait, ça permet d'entendre sa propre voix. Donc, on le met comme ça et la voix, ma bouche rentre, la voix rentre directement dans mon oreille. Ça permet d'enlever tous les parasites et de se familiariser avec sa voix. Et je pense que c'est important. Et donc, on va commencer par ça, si vous voulez bien. On va vous mettez votre main comme ça derrière votre oreille. Et vous allez mettre l'autre main en conque comme ça, vraiment à l'intérieur, comme si vous parliez dans votre propre oreille. Et... vous allez parler un petit peu comme ça dans votre oreille. Voilà. Et puis, si vous voulez, on peut prendre une petite note et faire la note que vous voulez. On peut changer la note. Donc là, vous allez essayer de connaître un peu votre voix que vous n'entendez jamais. Déjà, on l'entend par l'intérieur, hein, la vibration... par les os, etc., dans l'oreille, mais on entend toujours, il y a énormément de choses, donc même quand on fait ça, par exemple, faites une fois ça, et parlez un petit peu, faites un petit son, on entend vraiment différemment, comme ça, et puis si vous faites ça, ben là, vous allez encore entendre différemment, vous entendez beaucoup moins votre voix, quand vous bouchez les oreilles, bon, tout le monde sait ça, on entend de l'intérieur, ouais. Et donc, le téléphone, on commence par ça. Téléphone, donc vous mettez votre main comme ça et en coquille l'autre et vous la mettez à l'intérieur. Vous essayez comme ça de mettre vraiment votre voix au creux là. Et on va faire une petite note. Par exemple celle-là. Ou n'importe laquelle, celle que vous voulez. Hein. Et vous pouvez essayer aussi avec l'autre oreille. Voilà. C'est encore différent. Voilà, donc ça, c'est intéressant déjà de que vous n'ayez pas peur de votre voix déjà. Quand on chante, c'est un truc très difficile à apprendre, mais moi qui essaye de chanter dans les aigus, on peut être surpris par sa voix. Il y a aussi parfois des peurs comme ça, des peurs que la voix déraille, la peur du cri. Ça, c'est important d'apprivoiser d'apprivoiser sa voix. Oui, c'est étrange. Hein. Mais même rien que de faire ça ou ça, c'est fou. Vous dites quelques mots comme ça et quelques mots comme ça. Faites l'expérience. C'est intéressant. On n'explore pas du tout tout ça. Donc, alors... Moi, je vais commencer quand même par cette petite relaxation parce que je trouve que, je vous ai dit, elle est bien, elle va nous mettre en condition. Va nous mettre en condition pour dire que maintenant, ben voilà, on prend du bon temps, on fait de la musique. Et puis, ce soir, aucune pression. Hein. Je vais vous faire un cours pour les 3 ans. Je vais vous montrer, non, pas un cours, mais je vais vous montrer un exercice qu'on peut faire avec des enfants de 3 ans. Et puis après, on va passer à 7-8 ans. Et là, on va faire des jeux pour des 7-8 ans. Mais ça ne va pas être un cours. Parce que je vous raconte hein, comment... 3 ans, ouais. On va commencer par 3 ans. Tu vas voir. Il y aura des souris, il y aura des chats. Et il n'y a pas de pression du tout. Voilà. Ou des pâquerettes. Ou, enfin bon, ça, suivant mon inspiration. Mais... on va essayer déjà ce soir parce que je sais pas à quel moi j'ai dit très débutant donc je pars du principe que vous êtes aussi nul que je l'étais quand j'ai commencé la musique, c'est à dire que je ne savais pas si un son était en haut ou en bas, je ne savais pas frapper des mains, je ne savais rien, mais vraiment c'était vraiment de très loin, donc ça veut dire qu'on peut apprendre et puis même assez vite hein. Donc, 3 ans, ouais. C'est juste pour vous montrer qu'on peut avec juste apprendre 2 sons, par exemple. Enfin, apprendre 2 sons. Reconnaître 2 sons, déjà. Puisqu'on va commencer par là.
Oui, donc j'ai dit qu'on faisait quand même cette petite, on va pas appeler ça relaxation, mais mobilisation, préparation, mise en disponibilité, je sais pas comment vous dire ça. Pour... Donc par exemple, on va frotter nos mains, là, peut-être un peu chaude, là, et puis on peut, devant le visage, faire des petits mouvements comme ça, pour sentir un peu la chaleur sur là. Faire des petits tapotis, là je sais pas si vous voyez bien, des petits tapotis pour sentir frotter, faire une espèce de ce que j'appelais avec les enfants la douche, voilà, comme si on était sous la douche, on se frotte, là, voilà. Bien sentir, voilà. Un exercice qu'on peut faire aussi qui est intéressant, vous pouvez faire dans la journée qui peut être relaxant, c'est de poser une main n'importe où vous voulez sur votre torse ou même derrière, où vous voulez. Et vous mettez, vous essayez de mettre la respiration sous la main, sans forcer. D'ailleurs, on peut commencer juste en mettant la main, et puis voilà, on inspire. En fait, vous allez remarquer que le fait même d'avoir mis votre main là, change votre respiration. C'est comme quand on observe quelque chose, ça change son comportement, là c'est pareil. Le fait que vous observiez votre respiration, la change. Voilà. Vous déplacez la main, pareil, vous êtes à l'écoute de ce qui se passe. Voilà. Puis on peut essayer un troisième endroit, on peut même essayer dans le dos. Mettre une main dans le dos, puis essayer de voir si la respiration arrive derrière, si elle arrive là. Bon, moi, autrefois, au début, je ne savais pas respirer autrement que par le haut de la cage thoracique. J'ai dû apprendre à respirer sur le côté, derrière, enfin, faire en sorte qu'en tout cas, ça se gonfle et ça se dilate quand je respire. Mais c'est un apprentissage. Mais déjà, poser la main quelque part comme ça et essayer de sentir ce qui se passe sous la main au niveau de la respiration, c'est déjà ça nous met dans un état d'attention. Alors, j'avais dit quoi? Qu'on pouvait faire quelques petits mouvements. Bah, ça peut être avec les enfants, je fais des moulins, et d'ailleurs on chantait ton moulin va trop vite, meunier, tu dors, ton moulin va trop fort, le vent change, ton moulin va trop vite, et dans le sens, ton moulin va trop fort, ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Alors là on est dans, justement dans des principes martenaux, parce que j'ai utilisé une chanson comptine, donc normalement, vous la connaissez à peu près, normalement, à peu près, vous l'avez déjà entendu. Alors, des petits massages, des petits étirements. Donc, on peut, voilà, s'étirer vers le bas, souffler, se relever. Voilà. Lever les épaules, les baisser, comme ça. Là, je vous fais un truc très rapide. Enfin, on peut mobiliser le coude dans un sens, l'autre, pour faire les différences entre les articulations. Le coude, le poignet, les épaules. Voilà. On faisait beaucoup ça, les pantins, donc il fallait dire on lâche le poignet droit, le coude gauche, le bras droit, le bras gauche. Des choses comme ça. Voilà, ça mobilise pour les enfants, ça leur fait prendre conscience des différentes articulations, ce qui est très utile après quand on apprend un instrument, évidemment. Et puis, bah, les oreilles. On peut faire des petits massages dans des épaules, hein, ça. Quand on est un peu tendu, c'est toujours bien de prendre le doigt là et puis d'appuyer ici, là où ça c'est un peu noué en général, hein, chez tout le monde. Parce qu'on a tendance à crisper cet endroit et à prendre un mal à la nuque, etc. Alors vous pouvez tirer légèrement. Alors là, avec les enfants à 3 ans, j'aurais dit, c'est l'oreille qui fait un bisou à l'épaule. Et là, c'est l'épaule qui fait un bisou à l'oreille. Et voilà. Après, on peut faire des petites grimaces aussi. Hein. Super noué. Ah ben voilà. Eh ben, faut lever les épaules. C'est tout. Voilà. Voilà. Alors, on peut faire avec la bouche aussi. Une grimace de le bisou du bébé. Et le bisou du pépé, c'est les lèvres rentrées. Puis la bouche à droite, bouche à gauche. Voilà, c'est pour mobiliser. La mâchoire aussi, parce qu'on va peut-être un peu chanter, en tout cas on va émettre des sons.
Et puis, un truc tout con, quand vous voulez commencer la musique, donc c'est bien de faire des petits massages avant et des petits étirements avant. On n'y pense jamais, on essaie après parce qu'on a mal en général quand on fait un instrument. Mais avant, c'est bien aussi de s'échauffer d'une certaine façon. Et ben les oreilles, hein. On va frotter nos oreilles. Voilà. Donc comme moi, je prends, voilà, je fais comme une pince comme ça et je frotte de haut en bas les oreilles. Voilà. Ouais, ça nous indique qu'on va quand même les utiliser. Voilà. Voilà. Donc on a entendu sa voix, on a mobilisé ses oreilles. Qu'on fait maintenant, ce qu'on peut faire, c'est une grande ronde virtuelle. Et puis, ben j'ai pas de balle. Alors, excusez-moi, je vais revenir. Je crois que j'avais pris une balle, je reviens tout de suite. Bon, alors je sais pas ce qui se passe. D'habitude, j'ai toujours plein de balles partout. Là, j'ai un chiffon. Ah non, je crois que j'en ai une là-dedans. Mais d'ailleurs, j'ai oublié, j'ai dit que je vous montrais les petits matériels. Voilà. Donc, on va prendre une balle. En général, on est debout. Comme ça. On va se passer en rond la balle. Et en se passant la balle, on se passe un son. Je prends un son, par exemple. Donc là, il faut imaginer que je passe, je vous passe la balle et vous chantez, d'accord? Oh. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez tenir ce son-là. Moi, je vais changer de son. Et quand ça revient à moi, vous changez de son. Vous prenez mon son. C'est un peu haut pour Triboulet. Tu peux prendre la boutade en dessous. Là, c'est bon, vous y arrivez? Est-ce que ça marche? On va essayer maintenant de tenir. Vous tenez le même son. Moi, je change de son, mais vous ne changez pas de son. Vous essayez, tout en écoutant, gardez votre son très stable. Donc, vous allez prendre ce son-là. Oh, ça, tout le monde doit pouvoir le prendre. Vous avez gardé votre son? Oh, est-ce que vous l'aviez? Oh, vous l'avez? Voilà, ça on appelle ça, ça on appelle ça une résistance. Donc ça permet d'être très stable dans un son. Une chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure par rapport au principe Martenot, c'est que personne pour me dire si c'est faux. Ben si, moi. Non, mais en fait, si c'est ce son-là, c'est bon. Oh, c'était celui-là qu'il fallait avoir. Donc, si tu as l'impression de l'avoir gardé, c'est que sans doute tu l'as gardé. Un des principes, c'est justement de faire toujours des choses assez jolies. Même sur deux, trois sons, on essaye de faire des choses assez jolies. Un son assez tenu, stable. J'entends Laurent, ben, je l'entends chanter. Donc, ça, c'est une résistance. Vous allez pouvoir être stable dans votre son, et ça c'est important parce que donc on fait des choses avec les balles, on en fait pas mal, surtout en rythme, mais là aussi, donc le rythme on le travaillera une autre fois, mais je vais quand même vous montrer ce que je voulais faire, c'est vous montrer tout le petit matériel qu'on peut utiliser. Donc il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc je vous ai dit tout à l'heure d'aller chercher papier crayon parce qu'on en aura peut-être besoin.
qu'est-ce que j'ai aussi ça. C'est des petits boutons. Des boutons, vous aurez peut-être besoin tout à l'heure de boutons. Je vous montre ça avec la caméra. Voilà. Je crois que j'ai une caméra ici. Oh, je vais la détacher carrément. Venez avec moi, je vous embarque. Voilà, je sais pas si on a beaucoup de lumière. Je vais mettre. Voilà, est-ce qu'on voit mieux? Un peu brûlé maintenant. Voilà, on voit mieux. Je sais pas si j'ai fait ça tout à l'heure. Vous voyez, dans ce petit sac, il y a des petites. On l'utilisera pour le rythme. Donc, ce sont des petits dominos. Ils ont une particularité, c'est que ceux qui font le même temps ont la même taille. Donc, ça, c'est très intéressant. Là, et donc là, il y en a pour un peu plus compliqué. Ici, tout à l'heure, on va jouer avec ça. Ce sont des petites cartes avec des directions du son. Ici, on a un jeu de cartes pour apprendre. On en fera peut-être tout à l'heure. Pour apprendre à reconnaître des tierces, des quintes. Voilà. Voilà, c'est un jeu de cartes. Voilà. Ici, donc, les petits boutons. Alors, j'oublie une main, donc ça va pas être facile. Voilà, des petits boutons. Donc, si vous en avez, c'est pas mal, des petits jetons. Ça pourra servir tout à l'heure. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, on se débrouille autrement. Avec Fémin et Dubord. Après, vous avez des cahiers. Des méthodes. Voilà, vous avez les méthodes. Ah, donc, old school, méthode Martenot. Donc vous avez donc l'apprentissage comme ça. Voilà. Le premier cahier. Donc ça c'est pour celui-là qui s'appelle 1A, c'est pour les enfants. Les tout petits qui commencent. Celui-là qui s'appelle 1AV, c'est pour les adultes qui commencent. Donc il va un tout petit peu plus vite. Après, bon, bah, ça continue. Et ça va jusqu'à 2B. À 2B, on a un bon niveau. Là, ça c'est les. Donc dans chaque cours, il y a toujours un moment où on est on fait du rythme. Il y a un moment où on fait. On fait. Donc il y a toujours ce moment de relaxation. Ensuite, il y a des exercices, des petits jeux sur le son qu'on va faire là. Il y a des petits jeux sur le rythme. Ensuite, il y a des petits jeux qui associent les deux. Et puis, il y a du chant, un petit peu de chant à chaque fois. Et il y a des élèves, ils font que du solfège, ils font même pas d'instrument, t'as moyen de trouver. Ah, t'as vu le petit rat au pneu? Ben oui, c'est mon idole. je vais vous montrer des petites choses. C'est un peu rigolo, c'est des petits exercices par exemple que je donnais à mes élèves. Par exemple, avant d'entrer en cours, les élèves, ils avaient un petit mot de passe. Voilà, ils avaient à apprendre entre chaque cours leur petit mot à eux. Avec, ils devaient chanter ça et dire le petit rythme. Et pour les plus doués, les plus avancés en tout cas, ils pouvaient faire le rythme avec les notes. Ils avancent. Voilà, et donc là j'ai la feuille où j'ai marqué à qui j'avais donné quoi. Voilà, c'était pour les plus petits. Voilà. Donc, un petit peu d'eau. On va faire des sentinelles, peut-être des sentinelles. Alors, une sentinelle. C'est que vous gardez une note. Vous allez. J'espère que vous avez un peu de place autour de vous. Ce serait bien. Dès que vous entendez votre note, vous allez marcher. Je le mets à fond. On va prendre deux notes. Si vous êtes deux. Je ne sais pas combien vous êtes. Mais si vous êtes deux. Alors normalement, on fait ça, on est tous ensemble dans la salle. Hein. Par exemple. Donc, elle bousque. Est-ce que tu entends ta note? Non.
Donc dès que tu l'entends, tu marches. Si tu n'as pas envie de marcher, tu fais dans l'espace comme ça. Voilà. Et dès que tu l'entends plus, tu arrêtes. Donc imaginez dans une salle des enfants qui se déplacent ou des adultes. Et par exemple, Triboulet, si tu es toujours là, tu vas prendre une note un peu plus grave, c'est là par exemple. No. Attention, si c'est d'autres notes, vous ne marchez pas. Hein. Allez, on y va. Et si c'est les deux en même temps, vous marchez en même temps. J'espère que vous allez bien entendre. J'ai mis à fond. Vous me dites. Hein. Voilà, ça c'est celle. Ça c'est la tienne, tu l'as reconnue? C'est la note de qui ça? J'espère que tu entends. Ok. Et Triboulet, si tu es là. J'en donne pas à Laurent parce que je sais pas, je pense qu'il fait de la musique. Alors on y va. Là, tout le monde devait marcher, même s'il y avait une autre note. Là, normalement, Triboulet marchait plus longtemps. Alors là, le problème du piano, c'est qu'il a une durée qui n'est pas modulable, mais on peut essayer avec la harpe, si vous l'entendez bien. Alors, l'équivalent à peu près. Alors, on y va et du coup j'arrête les notes. Est-ce que vous entendez les notes? Je vais rapprocher le micro. Ça peut durer plus longtemps. Donc là, la note du bar, on l'entend encore. Vient juste de s'arrêter, donc ça durait très longtemps, surtout les notes graves. Donc ça peut être un petit jeu intéressant pour vous aider à reconnaître vos notes. Le son disparaît. Petit exercice. Alors, est-ce que je vois clair moi? Faut que vous entendiez bien. Que vous entendez bien. Alors, petit exercice. Pour voir un peu où vous en êtes et puis vous, du coup, savoir où vous en êtes. Vous allez mettre votre main comme ça. Quand vous avez l'impression, qu'est-ce qu'il y a? On entend surtout le début de la note à l'art. Ben oui, c'est ça. C'est dommage parce que là, il faudrait vraiment être dans la même pièce, je pense. Pour entendre, parce que la note du bas, elle durait vraiment très très longtemps. Mais du moment que vous entendez bien le petit piano, là c'est bon, enfin le petit synthé. Il faut, avec votre main, vous allez essayer de deviner si ça monte ou si ça descend. Donc si ça monte, hop, si la note est plus aiguë, on va peut-être déjà faire peut-être quelques sirènes pour vérifier que vous entendez bien aigu grave. C'est vrai que j'ai pas vérifié ça parce que c'est possible que déjà. Il fallait mettre en place des petits systèmes. Alors, avec un enfant, qu'est-ce qu'on ferait? Un enfant de 3 ans, prêt? Oh! 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 Alors, carrément avec tout le corps. Hein. On monte quand on part des graves. Oh! Oh! Voilà, là, on sent que quand on monte, la note, elle monte aussi. Ça, on dit comme ça, hein, on médique. Donc, déjà, on est parti là-dessus.
Et on peut faire des sirènes. Alors, je sais pas si vous entendez bien là, mais ça peut être sympa. Par exemple, on part de l'aigu. Vous avez vu, j'ai pris une petite barre de métal ou un crayon, n'importe quoi. Si on part du haut de la note, en haut, je suis en haut ici, je suis tout en haut. Et si je descends, on entend bien que la note devient grave. Plus la note est courte, plus elle est aiguë. Voilà. Une harpe, c'est un avantage, c'est qu'on voit bien comment ça marche. Là, les notes, les cordes sont toutes petites, elles sont grandes comme ça. Ça fait aigu. Et ici, elles sont très grosses. Enfin, le diamètre joue et tout ça, mais... Donc, quand on coupe une note ici, par exemple, on prend cette note qui est un peu près au milieu, si je la coupe là, aigu, parce que là, c'est court, la vibration ne se propage que dans un petit bout. Très mécanique, hein. Voilà. Donc voilà, ici on peut essayer de suivre avec le. Si vous entendez, je vais peut-être mettre sur les voix graves. Donc ça, on va essayer de faire ça. Alors, à l'école, on avait des petits flutios qui avaient un petit piston comme ça, comme des sifflets. Et on soufflait et quand on tirait, on était, ça faisait un son plus... Alors, ce qui change, c'est déjà la longueur de la corde. En fait, par exemple, c'est pas la même chose que sur un violoncelle. Il y a le diamètre joue beaucoup. Les cordes aiguës, elles sont très fines. Elles sont de la même longueur sur... le violoncelle au départ, et si tu les joues à vide, ben, elles n'ont pas la même note, elles sont pas la même note, et il y a des plus aiguës parce qu'elles sont très fines. Mais ce qu'on voit déjà, ce qui nous marque déjà avec la harpe, c'est que quand il n'y a pas beaucoup à parcourir, quand le son n'a pas à faire la vibration là, elle n'a pas beaucoup à parcourir, donc ça va être aigu, et quand elle a beaucoup à parcourir, ça va être grave. Après, l'épaisseur, ça tient aussi à plein d'autres... Il y a plein d'autres facteurs, énormément de facteurs. Parce que sur une harpe, il y a des tonnes de tensions. Donc, il faut déjà aussi que ça puisse tenir. Donc, il faut aussi... C'est pour ça que là, il y a du métal. Hein, et, mais oui, là, ça évidemment, le diamètre de la corde joue, évidemment. Mais c'est intéressant de voir que quand même... et d'ailleurs, on le voit avec une flûte, suivant le nombre de trous que tu vas toucher... la colonne d'air que tu fais sonner, elle n'est pas la même, et c'est ce qui modifie la hauteur du son. C'est très physique, c'est vraiment très physique. Je crois que, je sais pas si j'ai ça là, mais j'avais... à un moment donné, on fera un truc là-dessus, sur peut-être les propriétés physiques du son. Je crois que j'ai des... Est-ce que tu poses la question, est-ce que j'ai un truc qui peut le... Tout à l'heure, j'avais ça. Je ne sais plus où j'ai mis ça. Bon. Ah oui, tiens, c'est ça. Est-ce que là-dessus, il y a ça? Ouais, là, tu peux voir des choses, là. Est-ce que tu vois? Ici. Tu as des... L'amplitude. L'amplitude, donc là, c'est pour la hauteur du son. Amplitude faible, amplitude forte. Et hauteur du son, donc ça, c'est... Je ne sais pas si tu vois. Donc, on a des ondes vibratoires qui font ça, ou... qui sont très très serrés, voilà. Ondulation est serrée, le son est aigu. Après, tu as la durée du son, donc tu vois, tu as tous les caractères. Après, tu as le timbre, c'est la forme de ton onde. Voilà, on verra ça une fois, peut-être en plus... je sais pas si... Voilà. Voilà, donc pour l'aigu... Donc évidemment, la matière... il y a des bouquins passionnants là-dessus. La matière de la corde, évidemment, joue, mais... C'est bien d'avoir en tête quand même que quand c'est petit, c'est aigu. Ici, on parle principalement de musique, mais pas que. Si, là, on va parler surtout de musique. Donc, les sirènes. Donc, je vais faire avec le geste, je vais le faire dans votre sens, comme ça. On va partir d'un son aigu. Qui arrive à un son grave. Ça, vous le faites. Non.
Maintenant, on va partir du haut et aller vers le grave. On est parti. Non, c'est le contraire maintenant. On va faire le contraire. Et puis, si on fait du bas en haut et on redescend. Donc ça c'est la direction du son, en sentir si ça monte ou si ça descend. Si on part de haut. Vous faites ça avec votre voix vous, et puis on peut même faire. Au contraire. Ça, c'est des sirènes. C'est parce qu'on fait. Mais voilà. Vous allez essayer maintenant de chanter ce que je fais. Donc, je pars d'une note aiguë. Vous prenez celle qui vous est aiguë. Hein. Ce n'est pas forcément la même. Donc je dessine. Je refais. Alors maintenant on le fait ensemble. J'espère que vous avez réussi. Vous me direz. J'en fais un autre. Je pars encore d'en haut. À vous. Donc je fais le. Je vais faire une fois le dessin. Et après vous chanterez. Donc je le referai. Voilà. Maintenant, vous pouvez chanter si vous trouvez. Donc ensemble. Alors ça c'est très important de réussir à faire, quand on arrête le son, de refaire exactement la même note. Concentrez-vous là-dessus si vous pouvez. Ça c'est un très bon exercice pour l'oreille aussi. Tu parlais de chanter faux tout à l'heure. On va pas se préoccuper du tout de ça. Même si dans le livre de Martineau que j'ai repuité, j'ai ri parce que c'était marqué, il y a un chapitre pour élèves retardés vocalement. Que faire pour un élève qui est retardé vocalement? Ce qu'on appelle retardé vocalement, j'ai très bien compris, c'est ce qu'on appelle les bourdons. Et souvent, on en a souvent dans des groupes, chez les enfants c'est assez courant, mais aussi chez les adultes. C'est des gens qui n'entendent pas en fait, qui n'entendent pas bien. Ils n'ont pas encore assez bien perçu les variations du son. Et en fait, ils pensent qu'ils chantent. Et en fait, ils font quasiment la même note. Donc, ça fait des bourdons. Et ils pensent qu'ils chantent. Ils n'ont pas, du tout cette impression qu'ils chantent pas. Et donc, ils ne savent pas. Et ce n'est pas non plus chanter faux. C'est vraiment une question là d'oreille. Il ne faut pas se préoccuper du coup de la voix dans ces cas-là. C'est faire des exercices d'écoute. Et je suis un peu déçue de ce soir parce que si tu es trop, je suis à bourdon. Eh bien, ça se travaille et en fait, ça part très vite. Quand tu es adulte, c'est un truc qui se corrige hyper vite, rien que par l'écoute. Pas en chantant, justement, mais en écoutant. En écoutant des sons et en faisant, par exemple, les exercices qu'on fait là. Par exemple, de chanter une note, l'arrêter et la reprendre exactement pareil. Le plus stable possible en tout cas. Donc oui, je vous disais que je suis un peu déçue parce que je voulais vous emmener sur un site que j'aime beaucoup qui permet d'apprendre la lecture de notes. Et quand on va sur ce site, on a possibilité d'avoir plein de jeux musicaux, donc pas des jeux Martineau pour le coup, plein d'autres jeux, des jeux pour chanter, des jeux pour pratiquer un instrument, des jeux pour apprendre la clé de sol, la clé de fa, toutes les clés d'ut. On peut modéliser le jeu. Moi, par exemple, je suis en train d'apprendre la clé du 3 à cause de la viole de gamme. Et je suis en train d'apprendre avec ce site. On peut mettre les notes en couleur. Donc, ça va te montrer des notes. Il faut dire quelles notes c'est. Ça te montre sur une portée donc
Tu peux les mettre en couleur, donc par exemple tous les ré seront verts, tous les mi seront rouges, donc tu les reconnais. Tu peux avoir le son ou pas le son, tu peux dire combien de temps tu veux entre chaque note. Est-ce que dès que tu as trouvé la réponse, tu veux une autre note ou est-ce que tu veux un délai? Ça te demande aussi si tu veux difficulté, pas de difficulté. Enfin, tu peux vraiment progresser, donc ça c'est que les jeux pour apprendre à lire les notes, mais il y a énormément de jeux, je vous conseille. À tous les instruments pour la voix, il y a exercice d'oreille, il y en a des très très complexes, il y a des exercices rythmiques, mais moi j'ai même pas réussi à faire, il y en a des très durs, il y en a des très faciles à tous les niveaux possibles, et ça s'appelle apprendre-le-solfège.com, mais je n'ai pas pu vous envoyer dessus, je voulais faire un jeu en direct avec vous, mais on va pas pouvoir le faire parce que ça n'a pas marché. Oui, je vais te mettre, ça s'appelle... Attends, je vais te mettre directement l'adresse parce que je l'ai chez moi. Twitch, où es-tu Twitch? Oui, c'est sûr que avec tous ces... Alors, voilà, je vous donne l'adresse exacte des jeux. Alors, il y a aussi des... Vous pouvez aussi... CTRL-C... Vous pouvez également télécharger des partitions. Il y en a des gratuites. Voilà. Apprendre-le-solfège.com. Voilà. Je sais pas si... Je sais pas... Voilà. C'est ça le site. Et c'est super bien. Alors au bout de quelques fois où tu as joué, ils te demandent des trucs. Ils te demandent de t'inscrire ou des choses comme ça. Tu peux aller chercher des partitions si tu as envie pour apprendre. Tu peux, mais je te conseille, rien que les jeux, tu fais très simple, par exemple, si tu n'as jamais fait de solfège du tout, tu prends un jeu très simple, avec juste écouter des notes et tout ça, et tu vois, c'est super bien. Tu peux passer vraiment un temps, c'est hyper pédagogique, vraiment, le type qui a fait ça, je trouve que c'est super bien. N'hésitez pas à y aller, moi j'ai appris plein de trucs dessus, il y a tous les niveaux possibles. En plus, si tu t'améliores tout le temps, on voit bien, on peut lui écrire, le type, quand il y a un truc qui ne marche pas bien. Alors, si tu n'es pas... Pardon pour le monsieur qui l'a fait, c'est pas hyper joli, c'est très vert, bleu, jaune, c'est fait comme les très très vieux sites. Mais par contre, il est hyper efficace et très très performant ce site. Donc on a fait des sirènes. Donc ça, c'est important d'avoir des notes qui sont bien fixes. Par exemple... On peut essayer de prendre une note. Non. On va faire un petit rythme, on va faire. Non, 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 non. Vous allez faire ça. Partez. Non, 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 non. Et moi, je vais vous perturber. Alors, vous c'est non, 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 non. Est-ce que vous avez tenu le coup? On peut réessayer avec le même petit rythme. Non, 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 non. Si ça marche, tant mieux. Voilà, donc ça c'est bien, c'est des résistances. Ça, si tu as peur d'être bourdon, par exemple, bah, déjà tu travailles ton oreille là en faisant ça. Et tu peux le faire toute seule. Tu prends un piano ou n'importe quel instrument, tu te prends une note, puis tu joues d'autres notes et tu essayes de garder ta note. Là, j'avais un petit peu bougé, mais c'est quand même assez stable. Alors, donc on a 3 ans, tes amis. on a 3 ans. Alors, je vais vous demander. La main ici. Et quand vous avez l'impression que la note monte, donc elle va dans les aigus, donc aigus. Vous montez la main. Et quand c'est dans les graves. Vous descendez, peu importe l'écart, c'est juste le mouvement de la main en haut ou en bas.
On va commencer là, par exemple. Donc au début, je vais faire note à note, ça va être très facile. Donc, par exemple, là, il fallait monter la main. Là, il fallait baisser la main. Je vous laisse le temps de réfléchir. Il fallait monter la main. Il fallait descendre la main. Est-ce que ça marche? Si ça marche, on peut passer à quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué, qui est avec des petits mots. Là, je vais vous faire, par exemple, 3 ou 4 notes. Je vais en faire 4. Tiens, on va dire d'avance, j'en fais 4. Je vous la joue une fois. Et vous allez faire la deuxième fois, vous allez faire le mouvement. Mais la première fois, vous ne faites que écouter. On va le faire ensemble. Voilà. Et maintenant, je vais vous faire un autre petit mot, et vous allez essayer de trouver aussi. Bon, d'abord, on écoute. Je le refais. Vous faites tout seul. Vous partez d'ici. Vous allez attendre la fin de je le fais et ensuite vous allez faire le petit mouvement. Pardon. Je fais quoi? Je le refais. Donc ça faisait. Donc on était. Et en plus, ce qui était drôle, c'est que j'ai fait deux fois la même note. Donc ça, c'est un petit exercice facile à faire et où on peut s'entraîner. S'il suffit qu'on ait quelqu'un, et même si on n'a personne pour s'entraîner, on peut faire des petits sons qu'on enregistre et après on essaye de deviner si ça monte ou si ça descend. Ou alors on va sur un site qui fait des petits sons comme ça. On va essayer de répéter un petit motif. Par exemple, si on faisait. Non, 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 non. À vous. Un autre. Non, 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 non. À vous. Un autre. Un autre. Ça permet de mémoriser une petite suite de sons. Alors, j'ai pas beaucoup de lumière, mais hop, j'ai pris quelques notes parce que sinon, voilà. Ici, on va faire combien de fois la même note? Ah, ça c'est un exercice super. L'exercice, c'est de dire combien de fois il y a la même note dans ce que je vais jouer. Et si vous êtes encore plus à l'aise, vous pouvez dire en quelle place elles sont. C'est-à-dire, là, je donne un exemple. Par exemple, si je fais... Ben, c'est la première et la dernière. La première et la dernière, c'était les mêmes. Alors, je vais faire ça. Je refais. Alors, est-ce que quelqu'un est dispo pour me dire? Est-ce que vous avez trouvé
déjà. Super, c'est ça, c'est les deux premières. Ensuite, ici. J'en fais. Non. Alors, les deux dernières étaient pareilles. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il y avait deux notes qui étaient en commun. Ici, si on fait celle-là. C'est pareil, il y en a deux. Non, non. La première. Non, non. Non. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, très bien. Super, ça c'est bien. Donc là, même on peut le faire sur 5, 6, 7 notes. Par exemple, ici, on va faire un petit dernier. C'est celle-là qui était en plusieurs fois, pardon, j'appuie, mais... Non, non, non. Non, 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 non. Oui, c'est ça, 2 et 4, c'est ça. 2 et 4. C'est ça qui a répondu? 2, zut, je me suis déconcentrée. Moi aussi, j'appuie sur une note en plus en me penchant sur le truc, c'est pas grave. Alors, donc comme on a toujours 3 ans. Ah oui, non, il y a aussi un truc que je ne vous ai pas fait faire qui est intéressant. C'est que il y a le concept de tonalité quand on fait de la musique. Et par exemple, quand on va être dans une certaine gamme, par exemple de do à do, on va avoir tendance à rentrer à la maison, comme on dit pour les enfants à la fin. On ne va pas s'arrêter sur le si. On a envie d'aller sur le do. Et si on n'en a pas. On va pas dans tout ça. On a envie d'aller. Alors, ce que je peux faire, c'est faire une petite mélodie. Il faut deviner la dernière note. Est-ce que vous êtes prêts? C'est un exercice un tout petit peu plus complexe d'appréhension, mais vous allez voir que naturellement, assez naturellement, notre habitude de la musique, même si elle est très très petite, on sait quelle dernière note on va avoir. Est-ce que vous avez réussi à chanter la dernière note? J'ai fait non, 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 non. Et normalement, en fait, non. Voilà, on rentre à la maison. J'en fais une autre. Fait. Normalement, on arrive. Voilà. Alors ça veut dire que même quand on a l'impression qu'on n'a jamais fait de musique et qu'on est nul, on a des rudiments, même sans le savoir. Ça, c'est bien de rappeler, de se rappeler, et puis de rappeler aux autres qu'on a plus de connaissances qu'on ne croit sur la musique, parce que bah, on en entend en permanence, hein, même à la radio. Enfin, personne n'a pas du tout entendu de musique, et donc tout ce qui est des gammes locales, et évidemment, si on part sur d'autres contrées où ils ont plein d'autres gammes, plein d'autres. Il y en a qui ont des pays et des régions du monde, énormément un panel musical très très grand, mais
pour la culture musicale du coin, en général, même au niveau rythmique, on est dedans, on n'a pas trop de mal, normalement. Moi, j'en avais, mais bon. Alors, une petite souris. Alors, si vous aviez 3 ans, je vous aurais appris une petite chanson qui s'appelle Souris dans ton nid, qui est complètement inventée et qui est sur 2 hauteurs. Ok, il y a 2 sons. Là, on va le faire au piano parce que sinon ma voix. Voilà. Souris. Enfin, souris dans ton nid. Prends bien garde. Ah, bon, je ne vois rien, excusez-moi. Souris dans ton nid. Prends bien garde à tes petits. Bon, déjà, on peut répéter ça. Dans ton nid, prends bien garde à tes petits. Le chat, gros malin, les guette dans les coins. Donc là, on fait un petit chat qui fait comme ça. Ça fait rire. Ça fait rire. Les enfants, ils attendent le moment, ils attendent où ils vont pouvoir faire comme ça. Alors, le chat, gros malin. Les guettes dans les coins. Donc cette chanson, elle a 2 sons. On peut le faire à tout petit, avec une toute petite voix. T'as chanté à tue-tête. On va la refaire en entier. Souris dans ton nid. Prends bien garde à tes petits. Le chat, gros malin, les guette dans les coins. Mais t'as raison, t'as 3 ans, alors t'as toutes les études de chanter nature. On va le faire sur nonono. Nonono, nonono, nonono. On refait celui-là. Nonono. Non, non, non. La suite. Non, 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 non. À vous. Non, 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 non. Le chat. Non, 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 non. Et les guettes dans le coin. Non, 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 non. On refait la dernière. Non, 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 non. Voilà, ici on a appris sur 2 hauteurs les petites souris. Et maintenant, on peut aller plus loin une fois que les enfants connaissent cette. Là, je vais hyper vite, hein, mais vous êtes des adultes quand même, je sais. Une fois qu'on a appris cette petite chanson, on peut prendre notre papier. Voilà. Notre crayon et puis écrire souris dans ton nid. Voilà, en fait vous l'avez compris, on le fait sur 2 sons, mais on pourrait faire sur 2 autres sons. En fait la partition c'est un dessin, mais il peut partir de n'importe quelle note. Là on a fait, mais on pourrait très bien faire ou n'importe quoi en fait. Souris dans ton nid. On va essayer par exemple la chanter ici. À vous. Souris dans ton nid. Prends bien garde à tes petits. Le chat, gros malin. Les guettes dans les coins.
Donc là, on a fait une transposition. C'est des choses, en solfège, on dit, ah là là, il faut faire une transposition. En fait, une transposition, c'est suivre le même dessin, la même partition, mais en partant d'une autre note, tout simplement. Donc c'est très très simple, une fois qu'on connaît l'ordre des notes et qu'on connaît le nom des notes, en fait. On peut chanter à n'importe quelle hauteur. C'est pour ça qu'il y a des gens qui chantent parfaitement sans connaître du tout, sans lire une partition. Ils peuvent très bien chanter, ils voient si ça monte, si ça descend, ils suivent le dessin et ils chantent comme ça sans se préoccuper de la hauteur où ils partent. Et c'est la bonne mélodie. Donc, on va le dessiner. J'ai pris un crayon. Alors, oui, déjà, peut-être vous pouvez essayer de le dessiner. Déjà ça. Voilà. Je vous le fais en grand, comme ça. Hop là. Est-ce que vous voyez? Non, 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 non. La suite? Non, 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 non. Non, 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 non. Voilà. Non, 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 non. Voilà, hop. Le chat. Évidemment, il faut dessiner un chat. Hein? C'est voilà. Non, 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 non. Non, 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 non. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5. Non, 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 non. Voilà. Le dessin de souris dans ton nid. Voilà. Et une paire de ciseaux et on fait un petit puzzle. On va découper. Voilà. On déroule bien toujours. Hein. Le chat, hop, je découpe. Avant le chat, j'ai dessiné un chat, je ne sais pas si vous avez vu. Hop. Alors on va couper sur non, 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 non. Et ensuite le deuxième. Non, 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 non. Voilà. Et on a un petit puzzle. Je vais essayer de vous le montrer avec la lampe et la caméra. J'amène la lampe par là. Tac. Promis, les prochaines fois, ce sera un petit peu plus. Alors, est-ce qu'on voit? Voilà. Alors, on mélange tout et on essaye de retrouver la chanson. Alors là, on a non, 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 non. C'est le premier. Non, 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 non. Alors, c'est lequel? Eh ben, c'est celui-là. Non, 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 non. Voilà. Non, 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 non. Voilà, c'est très facile. Parce que là, on a le chat et on sait que c'est la fin. Non, 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 non. Voilà. Et on a notre petit puzzle. Voilà. On a souris dans ton nid. Alors, l'avantage, c'est qu'après, on peut donner à chaque élève, par exemple, celui-là à prendre pour la prochaine fois, avec le geste. Et puis, on peut aussi les mélanger et dire, ah, ben tiens, ça fait quoi, ça? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non.
mélange, hein. Voilà, donc ça c'est... Là, vous venez en plus en vous amusant. Très amusant, il y a un chat, il y a des souris. Bon, il les guette, il ne va pas faire grand-chose. Il ne fait pas grand-chose. Donc il n'y a pas de trop de danger pour ces souris. Moi je pense qu'elles vont très bien. D'ailleurs je peux dessiner des petites souris. Voilà, elles courent partout les petites souris. Voilà, c'est parti. Voilà, les petites souris elles se sauvent. Voilà, pic, voilà. Ouais, elles vont très bien. Les petites souris. Les petites 3 ans, ils ont appris, mine de rien, la tierce. C'est-à-dire la tierce, la fa. La. Sol, fa, la, fa, ils ont une tierce. Oh non, je dessine pas bien les chats, Laurent. C'est horrible, j'ai fait un rond avec deux boules et des petites moustaches. Et puis, donc, on a souris dans ton nid. Eh bien, maintenant, il va falloir chanter ce que je fais. Allez, on y va. On commence sur... Pareil. Alors. Je refais. Non. Ensemble. Non, non. Non, non, non. Je refais un autre. On part d'en bas. Non. À nous. Non, 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 non. À nous. Non. 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 À vous. Non, 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 non. Et maintenant, vous allez... Donc ça, c'est la deuxième étape. De chanter, c'est de la lecture finalement. Hein. On a fait la reconnaissance, là on fait de la lecture, et puis maintenant eh ben, on va faire de l'écriture, c'est-à-dire que je vais chanter et vous allez essayer de faire le geste. Alors avec les tout petits, on peut faire quand c'est en bas, tu te mets en bas, et quand c'est en haut, tu te mets en haut. Voilà. Donc on essaye comme ça. Alors au début, note par note. Alors, on est prêt. Alors, soit vous faites avec la main, hein, si vous n'avez pas envie de bouger, courir partout, etc. On commence en haut, comme ça, il y a un indice. Non. Oui, bien sûr, tout le monde peut le faire, hein, franchement. À moins d'avoir un problème d'audition majeur où ça peut être compliqué, mais à ce moment-là, on partirait sur un plus grand écart que la tierce. Allez, je fais un petit mot. Je le fais deux fois et la troisième fois, vous faites avec le geste. Je fais un petit mot. Est-ce que j'en avais préparé? Non, j'en ai préparé sur trois notes. D'ailleurs, on fera sur trois notes parce qu'on va grandir très vite. Là. On y va. Je le refais. On le fait ensemble. Non, 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 non. J'espère que vous l'aviez trouvé. On part encore d'en haut. On fait plusieurs fois. Ah, pardon, mon doigt a fait deux fois. Fait. À nous. Non, 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 non. D'où l'intérêt tout à l'heure d'avoir fait des notes jumelles, des notes qui se répètent. On part d'en bas pour changer. Et maintenant, ben, l'improvisation, je pense que tout le monde a réussi à faire cet exercice.
vous en inventez. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir vous corriger ni profiter de votre petit chanson. Mais vous en inventez un, moi je vais en inventer un par exemple. Non, 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 par exemple. Et à vous, vous en faites un petit. Et là, on va un peu grandir. Donc, on est toujours parti sur des... des petites mélodies. Donc là, on a créé notre petite mélodie. On va faire un petit exercice un tout petit peu différent, mais qui est en lien avec celui-là. Après que j'ai bu un petit truc. Alors là, pendant ce temps-là, vous continuez à inventer des mots. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que dans souris, une fois que vous l'avez, vous pouvez le lire dans un sens, mais vous pouvez le retourner aussi. Si vous le retournez, bah, ça fait un autre mot. Alors, il faut imaginer que ça, là, je vous donne pas un cours ce soir, je vous donne un aperçu. Mais ça, on fait ça pendant... Souris dans ton nid, déjà, on l'apprend par petits bouts. On va travailler dessus tout au long de l'année. Toute l'année. Ce qui fait que là, après, la tierce, c'est pour la vie. On dit souris et les enfants savent reconnaître tout de suite souris. Ils savent souris. On part de n'importe quelle note, ils savent chanter souris. Ils savent donc chanter une tierce en descendant. Donc après, quand ils apprennent le nom des notes, ben, ce qu'on fait aussi... Martenot, c'est d'apprendre les tierces, par exemple. Donc, fa, la, la, fa, demi, mi, do. Donc, on dit do, top, mi, do, vers le haut, et donc, il va dire demi. Si on dit mi, et on dit vers le bas, mi, do. On apprend toutes les tierces comme ça. Après, on apprend les quintes, etc. Une chose que je ne vous ai pas précisé, c'est que la méthode Martenot, elle a pris comme partie de partir sur le pentatonique. Une gamme qui était chinoise à la base, mais qui est utilisée dans plein de régions du monde, en Afrique aussi, qui est utilisée dans plein de circonstances, qui est une... Alors là, je vous l'ai fait sur les touches blanches, mais si vous voulez découvrir donc c'est le pentatonique, c'est-à-dire 5 notes. Vous pouvez toucher les touches noires du clavier et vous aurez forcément un pentatonique. Si vous voulez jouer un petit truc chinois ou un peu de cette ambiance chinoise, vous prenez que les touches noires du piano ou de votre xylophone. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper, ça aura une atmosphère tout de suite. pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, le but à l'école Martenot, il y a plein d'autres méthodes. Moi, je connais plein d'autres méthodes. J'en connais une autre qui est assez formidable, qui consiste à apprendre toute la gamme de Do et transposer toutes les chansons qu'on connaît, tous les comptines en Do. Et ben. Dans le principe Martenot, on apprend le pentatonique. Et on ne l'apprend pas tout de suite. On apprend d'abord la fa, comme vous allez dire, enfin, au calatière. Après, on apprend. Après, on apprend. Et on a le pentatonique au bout de 3 ans, à peu près. Au bout de 3 ans, on l'a, mais on le maîtrise bien. Donc, on va ajouter les notes année après année. On ne va pas apprendre toutes les notes d'un coup et tous les intervalles d'un coup. On va apprendre la fa et puis ensuite on va rajouter le sol. Et donc c'est intéressant. Et parallèlement à ça, on fait un autre travail qui est de reconnaître les intervalles. Donc les intervalles, tout à l'heure je vous ai dit que dans souris, on avait une tierce et qu'on a 3 notes de différence. Fa, sol, la. Donc quand on joue le fa et le la, c'est une tierce. Mais il existe plein d'autres intervalles. Et notamment, on va apprendre un autre intervalle qui est la quinte. Qui est un intervalle un peu moyenâgeux, c'est comme ça qu'on peut le reconnaître. Alors, on est dans des sonorités un peu métalliques, comme ça, moyenâgeuses. Et pourquoi d'avoir la tierce et la quinte? En fait, c'est... hyper physiologique,
C'est que. Oui. Donc en fait, la quinte, c'est cinq notes de différence. Donc si tu pars d'un do, do, ré, mi, fa, sol. Donc si tu joues un do et un sol. Donc sur ton clavier, ça va être le do, c'est la note où il y a deux noirs ici. Do. Et ici, c'est le fa, donc sol. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5. Et si tu joues en main, après tu te déplaces. Et en fait, c'est ce qu'on entend souvent dans les musiques du Moyen-Âge en bourdon. Justement, on parlait de bourdon tout à l'heure, mais en vrai bourdon. Donc là, la harpe, évidemment. Hein, évidemment, évidemment. Enfin, encore mieux, ça marche encore mieux. On est vraiment dans un univers vraiment. Alors pourquoi d'abord la tierce et la quinte? C'est que l'oreille est faite de telle façon, enfin, physiologiquement, que ce sont des accords qu'on entend très bien, enfin, on les reconnaît très bien. Par exemple, si on joue plein d'accords, on arrive bien à entendre les deux notes. On les entend très bien. On entend très bien les octaves, donc par exemple un do ou un fa et un fa. Voilà, on entend très bien ça, physiologiquement, je veux dire. Et la tierce aussi, on entend très bien. Puis c'est des choses qui sont très courantes dans la musique qu'on écoute en permanence, alors que les demi-tons, les accords très rapprochés, beaucoup moins. Voilà. Dans la musique. Moderne, oui, mais un jour je vous montrerai aussi comment ont évolué les gammes et on parlera de plus des choses de gammes et tout ça, mais une autre fois. Alors, petit jeu, il faut reconnaître les tierces ou les quintes. Si vous êtes toujours d'attaque, je sais pas depuis combien de temps on travaille, on joue et on travaille en même temps. Hop là. Je vois pas mon déroulé, donc je ne sais pas, je n'ai aucune idée de l'heure. Donc, la tierce. C'est la tierce et la quinte, c'est le Moyen Âge. Allez, on est parti. On essaye de deviner si c'est tierce ou quinte. Vous me direz après si vous avez à peu près réussi l'exercice. Je vous donne les réponses à chaque fois. Donc ça, c'était une tierce. Souris. Voilà, c'est une quinte. C'est la tierce. Ah, pourquoi tu vois mes doigts? Ah oui, s'ils sont prêts, tu vois. Tu vois, c'est vrai que quand j'écarte, ah oui, c'est vrai. J'avais pas pensé. Tu vois, tu peux tricher tout ce que tu veux. Voilà. Ah oui. Dur dans les aigus, hein, on va l'entendre. Je sais pas si le délai permet que quelqu'un réponde ou c'est trop, il y a trop de décalage. En tout cas, c'était bien une tierce. Il faut pas le chanter à cette hauteur-là, mais. Et ici. T'avais dit quatre. Là, t'en es une. Allez, on continue alors. Ici, donc, je vais pas attendre les réponses parce que je pense qu'il y a trop de décalage. C'était une tierce, bravo, c'est ça. Allez, on en fait un autre. Ah pardon, c'est une carte. C'est entre les deux, donc ça va pas le faire. Ouais, faut que je compte. Super, c'est une quinte.
Voilà, et ça, c'est pas mal parce que c'est un travail qu'on va faire en parallèle, donc ça met aussi bien dans l'oreille la tierce. Et donc là, on connaît déjà deux accords à l'oreille. On apprend d'abord à les reconnaître à l'oreille. Après, on peut les reconnaître aussi visuellement. Est-ce que je fais ça maintenant? Je ne sais pas, mais peut-être tout à l'heure, sur les petites cartes, on peut faire reconnaître les tierces et les quintes. Et une fois qu'on connaît leur nom sur une partition, on peut tout de suite lire très très vite une partition et se dire c'est do sol parce qu'on voit que c'est une quinte. On lit les accords. D'ailleurs, quand on fait des instruments comme la harpe ou le piano, on a plein d'accords et on les lit à toute vitesse. En fait, on ne les lit pas, on les reconnaît. On reconnaît parce que c'est disposé. On va le faire maintenant, tiens. Allez, comme ça, on change complètement d'exercice. On va reposer notre voix et on va jouer avec les cartes, si ça vous dit. Alors, il faut que, par contre, je mette ça vraiment sous la caméra. Alors, est-ce que je vais pouvoir à la fois tenir la caméra et montrer les cartes? Ça, c'est tout un défi. Alors, c'est un jeu de vitesse, d'une certaine façon. C'est qu'on va montrer les cartes à toute vitesse. Et le premier jeu. Alors, est-ce que vous voyez bien? Peut-être que là, il y a trop de lumière. Hop là! Ah oui, évidemment, si je fais ça ne va pas le faire. Je suis dans le noir. On est dans le noir, voilà. Là, c'est un peu juste. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Comment ça s'écrit? Quinte? Oui, c'était comme ça. Quinte de 5. Ouais. Oui, vous voyez bien. Ah, ok. Le premier jeu, c'est de voir qu'il y a des pareils et des pas pareils. Qu'est-ce qu'on appelle une pareille? Qu'est-ce qu'on appelle une pas pareille? Là, c'est ce que je vous disais, c'est apprendre à discriminer, à reconnaître quelque chose. Une pas pareille, par exemple, c'est. Alors là et là, c'est la même chose, hein, des deux côtés. Donc vous lisez soit en haut, soit en bas, c'est parce que s'il y a plein d'élèves autour d'une table, ils peuvent tous voir. Ici, elles sont pas pareilles parce qu'il y en a une qui est entre deux lignes et une qui est sur une ligne. Ça, c'est une pas pareille. Et si elles sont pareilles, alors donc il faut que je remue un peu mon jeu de cartes, on va peut-être pas tous les gros. Voilà, donc ça c'est vraiment un jeu, on joue vraiment là. Ça c'est des trucs, c'est des moments de détente totale. Alors ça vous pouvez les fabriquer si vous voulez. Bon ça s'achète, hein, mais c'est un peu cher le matériel Marcelino, ça s'achète. Mais bon, moi je sais pas ce que je les utilisais tous les jours. Mais vous n'avez pas besoin peut-être. Mais vous pouvez fabriquer des petites cartes. Avec des notes qui sont dessus ou entre les lignes. Alors ici, vous voyez, c'est une. On va l'appeler une pareille. Parce que regardez, elle est exactement entre les lignes. Les deux sont entre les lignes. Mais si on en a deux qui sont sur la ligne, c'est aussi une pareille. Après, c'est un jeu de rapidité. Mais comme je ne vais pas vous entendre répondre, je vais aller à une vitesse. Ok, je vois. D'accord. Eh bien, on est parti. On est parti. Tu vas dire à chaque fois pour toi-même, parce que je ne peux pas te corriger, si c'est pareil ou pas pareil, mais je vais corriger à chaque fois. Te laisse un petit temps, mais là, c'était pareil. C'était une pas pareille. N'essaye pas. Ah oui, si, ah oui, tu réponds, d'accord, c'est génial. Exact, c'est ça. Je vais un peu plus vite alors. Pas pareil. Pas pareil. Elles sont peut-être mal rangées. Pas pareil. Beaucoup de pas pareil. D'ailleurs, est-ce que. Oui, je regarde, on ne se trompe pas. Je vérifie tes réponses. Ça, c'était une pareille. Ouais. C'était aussi une pareille. C'était encore une pareille. Elles sont bien rangées. Voilà. Elles sont rangées dans l'ordre. Je pense que j'ai eu beau les remuer. C'était pas assez. Voilà. Donc, tu vois le principe. Mes bras fatiguent. Donc, maintenant. Donc, on va à toute vitesse. Hein. Là, je peux pas te le faire à toute vitesse parce que bon. Pas répondre, mais on fait tac 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 le plus vite possible.
une fois qu'on a mis de côté, ce chose que j'ai pas fait parce que je suis bête, de mettre les pas pareils de côté, les pareils de côté, on garde que les pareils. Ça c'est une pareille, ça c'est une pas pareille. Du coup, je fais le jeu pour moi. Voilà, est-ce que j'en ai assez? Et après, on apprend que dans les pareils, je vais essayer de parler en même temps que je joue, dans les pareils, on a différents écartements, ce qui est normal. J'ai que des pareils là dans mon jeu. J'avais des pareils, j'avais un autre bout de jeu. C'est pas grave. Il faut quand même que j'en ai assez pour qu'on puisse jouer. Donc je garde que des pareils là. J'essaye de les avoir toutes. C'est que mon jeu est plus très complet. C'est plus de temps. Ça a l'air bien. Voilà. Là j'ai gardé que des pareils. Elles sont toutes pareilles. Mais dans les pareils, il y en a qui sont très éloignés comme ça. Il y en a qui sont très proches. Tu vois, elles sont très proches. Elles sont pareilles, mais elles sont très proches. Et il y en a qui sont entre les deux. Elles sont un peu plus éloignées que celles-là. Eh bien, maintenant, le nouveau jeu, dans les pareils, c'est de reconnaître les tierces très proches. Salut, Roman Graphique. On va reconnaître les très proches qui sont donc des pareils, mais donc c'est les tierces, et des un peu plus éloignés qui sont des quintes. Ce sont aussi des pareils, c'est-à-dire pareillement placés, soit les deux notes entre les lignes, soit les deux notes sur la ligne. Voilà, donc je vous enlève les septièmes qui sont grandes, on les apprendra plus tard. Et là, vous allez répondre tierce, quinte, tierce, quinte, tierce, quinte. C'est simple et c'est efficace. Voilà. Voilà, donc, je vous fais juste, j'en ai pas beaucoup finalement. Alors, bah, par exemple, on peut répondre tierce et quinte, bah, par exemple 3 ou 5. Allez, on est parti. La réponse était quinte. Celle-là, c'est une trop grande. Elle s'est glissée. C'est ça. Bon là, normalement, on va très vite. Hein. Donc, j'accélère un petit peu. 5, tiers. Je crois que j'ai pas beaucoup de quintes, donc il y a beaucoup de tiers. Et voilà. Donc ça, c'est un jeu super bien parce que tout bon. La dernière, c'était bien. C'est ça, tout bon. On apprend comme ça à reconnaître l'accord visuellement. On apprend à le reconnaître auditivement comme on a fait tout à l'heure. On a reconnu la quinte avec sa consonance. Sa consonance moyenâgeuse et la tierce avec la petite chanson souris. Voilà, quelque chose de très ensoleillé, la petite souris. Donc on a appris, et après, troisième étape, on apprend le nom des notes, on apprend do sol pour une quinte et fa la pour une tierce. Et puis du coup, on peut très vite après lire, on a déjà fait énormément de programmes musique sans se rendre compte. Après, il faut faire beaucoup d'exercices comme ça, mais une fois qu'on a appris tierce, quinte, on apprend la septième qui est l'autre encore plus grande. Donc elle est beaucoup plus grande, hein. Il n'y a pas de, enfin beaucoup plus grande. Visuellement, on a, quand on les voit, on n'a aucun doute, à part que tout à l'heure, il y en a une qui s'était glissée, mais entre une quinte et une septième, voilà. Donc, c'est pas pareil. Et puis, bon, bah, après, progressivement, on va apprendre les pas pareils. Hein, mais progressivement, on aura au moins, même dans le sur le site apprendre-le-solfège.com, là, il conseille d'apprendre aussi à lire les partitions en clé d'ut, en clé de fa et tout ça, on apprend à reconnaître les quintes et les tierces. On lit beaucoup plus vite, on n'a pas besoin d'apprendre toutes les notes, on apprend les accords. Pareil, là on a appris aussi au niveau auditif les accords. Et bien,
Je me disais que quand même, on allait grandir un tout petit peu et on passe à l'étape suivante ou vous êtes fatigué? L'étape suivante, ce serait de travailler sur la chanson La Fée Dodo, qui est donc sur trois notes, la solfa, et d'apprendre justement trois notes. Ou on se garde ça pour une autre fois, c'est aussi une possibilité. Au moins l'avoir une fois, vous me dites. Hein. Ouais, ok. Bon, on va juste apprendre, alors on va aller très vite, on va juste apprendre la chanson Fée Dodo. D'accord. Fée Dodo. Non, 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 non. En fait, on constate que dans Fée Dodo, il y a comme une petite question. Et après, la petite réponse qui nous ramène à la maison, comme on disait tout à l'heure, la dernière note qui nous ramène à la maison. Dodo, cola mon petit frère. On est en suspension pour pas mettre un point d'interrogation, c'est comme une question. Et dodo, t'auras du lolo. Là, on arrive à la maison. Non, 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 non. Question. Non, 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 non. D'ailleurs, vous remarquerez que ça commence pareil. On a le même petit dessin au début. Ensuite, cette chanson est très bien pour ça. En dessin, ça fait. Ça vous pouvez le faire. Je fais avec l'autre main, comme ça vous êtes dans le sens de lecture. Pardon. Déjà, on pourrait apprendre ça. Et ça, on peut l'apprendre sur la solfa. C'est les trois notes. La solfa. On en a rajouté une par rapport à souris qui était la fa. Donc on a quand même notre tierce. La sol, fa, fa, sol, fa, sol, la, fa. Voilà, on a notre petite question. La, sol, fa, fa, sol, la, sol, fa. Faire le geste comme ça, ça permet d'avoir bien la même note. Et justement, petit exercice, on va chanter que les fa. Et on va essayer que ce soit toujours le même fa. Et le reste, on le garde dans la tête. Fa, 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 fa. On essaie d'avoir tout le temps le même. On refait ça parce que ça c'est dur. Fa. Fa. Bon, évidemment, il y a beaucoup plus d'ambiance quand il y a plein d'enfants autour, plein d'adultes autour. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, on peut faire quelques petits mots, hein, très vite. Vous répétez après moi. Je le fais une fois, puis vous. La, la, sol, sol, fa. La, fa, sol, la, la. Comme ça, je suis sûre de le fausser. Allez. Un autre. La, sol, fa, fa, sol, la. Un autre. Donc là, on peut reconnaître les notes jumelles. Là, on a les deux pareils. Voilà. Donc ça, c'est pas mal pour ce soir. Peut-être qu'on est un peu fatigué. Après, j'avais des petites cartes. On pourra faire peut-être une prochaine fois les petites cartes.
qui se présente comme ça. Voilà, on va faire le premier exercice et puis après on va arrêter. On va être tranquille comme ça. Voilà, hop. Je vous montre ça. Je fais la caméra, la lumière, on va y arriver. Voilà, on va faire ça par terre, comme ça. Ah, si encore quelqu'un. Voilà. Donc ici, on a les petits dessins. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Voilà. Alors au début, je vous en présente que... on va mettre 4, allez. 4, 5, allez. Ah, peut-être. Allez, on en met 6. Voilà. Pas si vous les voyez bien, est-ce que vous les voyez bien? Il faut reconnaître. Alors, il y en a des très faciles, hein, vous avez vu. Voilà, vous les avez bien tous en, devant les yeux. Si je fais celui-là. Ça, c'est très facile. Non, 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 non. Eh, c'est ça. J'ai commencé par un facile. Allez, on essaye de faire celui-là. Alors là, c'est intéressant de reconnaître les notes qui sont pareilles. Que vous voyez ici, elles sont bien indiquées. Par exemple, ici, on voit que les deux notes là sont pareilles. Là, les deux notes sont pareilles. Là, les deux notes sont pareilles. C'est intéressant de voir... ici, ils indiquent par un gros rond au départ, un grand cercle, la note vraiment forte entre fa sol là, c'est cette note-là qui est forte. Celle-là est un peu plus faible et celle-là, elle est entre les deux. Le sol, c'est une note un peu instable, on ne va pas rester dessus. Non, elle nous conduit forcément sur. Donc voilà, c'est une note sur laquelle on ne va pas rester longtemps. Donc on l'a. Est-ce que là, c'est bon la lumière? Donc j'ai fait celui-là. Parce qu'il y en a deux qui se ressemblent beaucoup, hein, le 6 et le 5. Ah. Je refais. Est-ce que tu as fait avec le geste? On va le faire avec le geste. Et si tu me vois, j'ai fait. Non, 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 non. Celui en bas, en fait, s'écrit 5 dessus. Oui, j'ai pas mis dans l'ordre. Attends, c'est ça qui t'a perturbé. Voilà. C'est ça, c'était le 5. Oui, c'est ça. J'avais compté. J'en fais un autre. Celui-là. Avec le geste, c'est bien de le faire avec le geste. C'est ça, c'est le 4. Non, 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 non. J'espère que tu fais bien le geste. Le geste. Non. Ah, je sais pas si on voit. Où est ma main? Non, 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 non. Et ça fait 3. Donc tu vois, on peut en rajouter hein, si tu veux, si tu as encore un peu de force. Ça va pas être dans l'ordre, si tu vois les chiffres, tu viens. On en rajouter 2. Si je fais ça. Non, 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 non. Même des fois avant les vacances, il pourrait y avoir un chocolat en jeu, hein, si tu as trouvé. Si tu as trouvé. Si je fais ça. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est d'abord grand puis petit, hein. D'accord. Non, non. C'est grand. Notre souris. Ah, c'est ça. Bravo. Ben, on va faire le 7 ensemble. Il fait. Non, non, non.
Lui, au contraire, il commence petit. Non, 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 non. Voilà. Bon, bah c'est bien, on a bien travaillé ce soir. Ah, on repartira peut-être de là quand, si on continue sur l'audition. Mais je pense que la prochaine fois qu'on fait des jeux musicaux, on fera des rythmes. Parce qu'il y a tout ce qu'on vient de faire existe aussi avec des jeux rythmiques. Avec des petits dominos et tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je crois que j'ai à peu près rempli mon programme de ce que je voulais vous montrer ce soir. À peu près les petits jeux que je voulais vous montrer ce soir. Et ben, j'espère que vous avez. Ah, ton ordi a glitché. Ok. Ben, c'était super. Après, c'est un peu étrange de ne pas être dans la même pièce que vous pour le faire et pour qu'on s'entende tous. C'est beaucoup plus amusant, évidemment. Mais déjà, je pense que là, on peut s'amuser quand même ensemble. Et alors là, je vous en ai montré que 8, mais il y en a 21. Il y en a 21 parce qu'après, on rajoute des notes, évidemment. Mais à 3 notes, il y en a déjà. Non, 3 notes, c'est bon, je crois qu'on les a. 1, 2, 3. Non, il y en a encore hein, pour 3 notes. Il y en a encore quelques-uns, ça veut dire qu'on pourrait, on pourrait complètement. Il y en a 14. Non, il y en a 12. Voilà, ça. J'ai dû le faire à la main parce que je ne l'avais plus. Il y en a 12 avec 3 notes. Donc là, on a. Après, pareil, on peut donner un mot de passe. Je rends tout très léger. Mais c'est assez léger, en fait. Il faut savoir déjà quand on a peur de chanter faux, qu'il faut écouter. Et donc, on peut faire des petits exercices même tout seul. Écouter une note, en jouer une autre, chanter une note, jouer d'autres notes pour essayer de se perturber ou demander à quelqu'un de le faire ou s'enregistrer pour se perturber soi-même. Essayer de garder sa note. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important si on veut un jour chanter avec d'autres gens, si on veut chanter plus juste, si on veut entendre mieux. Mieux découvrir aussi la musique. Enfin, c'est vraiment très important. L'écoute, c'est incroyable. C'est vraiment. Il ne faut pas se focaliser sur la voix, il faut vraiment se focaliser sur l'oreille. Si on entend bien, on arrive à mieux émettre le son, ça c'est évident. Il y a pourquoi léger? Ben, évidemment, c'est qu'en fait, quand on est détendu et que c'est amusant, ben, on apprend plein de trucs. Là, ce soir, on a appris plein de trucs, vous ne vous rendez pas compte. Un très très débutant qui arrive là, je ne sais pas, mais c'est là on a appris la tierce, on a appris trois notes, on a appris à reconnaître les quintes et les tierces, on a appris sur une partition à reconnaître aussi les tierces et les quintes, maintenant on peut les reconnaître. Il nous reste qu'un petit exercice pour apprendre juste le nom des notes et c'est bon, on a vraiment beaucoup appris. Eh ben écoute, tu as tout réussi. T'as eu tout bien, donc ça veut dire que même très très débutant, très 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 même, tu vois, bon, bah, écoute, moi j'avais ce niveau-là. C'était. Ben oui, c'est sûr que tu as appris plein de trucs. Hein. Après, c'est vrai que quand tu es dans un processus, bah, tu le fais tout le temps, donc après, c'est très stable. Tu peux improviser sur trois notes. Pardon, c'est mon pied qui joue tout seul. Tu peux improviser sur trois notes, des petites mélodies, et c'est déjà génial. C'est déjà joli. Quand tu es à plusieurs dans un groupe, il y en a un qui fait une note pendant que l'autre fait une autre. Par exemple, si je fais oh, non, 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 donc le fa, si je fais non, 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 et que par exemple, vous, vous faites eh ben, ça peut être très joli. Moi, je fais non, 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 et vous, non. Non, 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 non. On a tout de suite des petites mélodies. Très, très rapidement, on peut faire des choses très, très jolies à l'oreille parce que ben, une fois qu'on a trois notes, on peut déjà. Moi, j'ai un petit bouquin que j'avais trouvé sur une braderie qui est très chouette, qui est un recueil de petites chansons et à chaque fois, c'est précisé combien de notes il y a dedans. Et en fait, on voit que même avec deux, trois notes, on a déjà plein de. Enfin, avec trois notes, on a déjà plein de chansons.
C'est pareil quand on commence à faire du ukulélé ou je sais pas, un instrument à accords, on se rend compte que avec deux ou trois accords, un accord de sol, un accord de do et tout ça, on peut chanter et s'accompagner sur plein plein de chansons. C'est énorme avec très peu de bagages, on peut déjà avoir un plaisir énorme, quoi. Donc ben, je vais vous souhaiter une bonne nuit ou une bonne fin de soirée, suivant l'heure qu'il est, mais peut-être que c'est déjà la nuit. Et ben, on se retrouve une prochaine fois. Peut-être la prochaine fois, on fera d'autres choses, suivant mes envies et mes disponibilités. Et puis, je ne sais pas rêver, donc je voulais un jour peut-être, mais pour l'instant, eh bien, je vous dis une bonne soirée. Bonne nuit. Bisous. J'arrête. Au revoir.